une seule question. Est-ce que oui ou non, le tribunal militaire a les compétences pour juger un civil? Ils ont dit que la question est irrécevable et non fondée. Donc, les juges militaires ont déjà... Venez manger. Mamie, baisse-moi la télé, là. Eh, les gars, venez manger avec nous, non? C'est comment? Donc, ce jeu est compliqué. C'est bon, hein? Mmh. Les enfants, ils parlent de patois. Ah, mais fais un téléphone, maman. Il n'y a pas de musique, bah, c'est ruiné, tu vois. On va faire un direct de 5 minutes pour inciter les gens à s'habiller en noir vendredi au tribunal militaire. Bon, il y a aussi la dame là qui veut que ça... Samedi, il y a des gens qui veulent que ça... Donnez-moi le téléphone, s'il vous plaît. Je vais mettre la musique Valsero parce que là, on est quand même avec des combattants. Il faut qu'on laisse un message pour nos frères du Cameroun. Et ma soeur Nouma Karine des États-Unis, je t'ai pris de partager ce direct, ce petit direct de 10 minutes qu'on va faire. Parce que je suis avec le colonel So, la générale Marcel, la reine d'Angleterre, la princesse MP Namachwa, le colonel Bosco. Il faut qu'on laisse un message pour nos frères. Je prépare un direct demain soir, mais pour nos frères du Cameroun, ceux qui sont encore à Bouda, à Bafan, à Santou, à Yaoundé, à Ngelemunduka, à Balmayo, à Menganga, à Bagno, à Garoua, prenez vos trains. Mais sachez que vendredi, le gouvernement de Yaoundé ne doit pas nous mettre dans cette grande mascarade-là. On ne pourra pas laisser faire que le gouvernement de Yaoundé condamne notre président élu, son excellent le professeur Maurice Kamto. Donnez-moi un téléphone, s'il vous plaît. Il veut qu'on mette l'hymne de la Révolution. Le général Valsero, s'il vous plaît. Le général Valsero. Le général Valsero. Quand je n'écoute pas cette chanson, je ne suis pas moi. S'il vous plaît, le général Valsero. Le général Valsero. Le général Valsero, merci. 3 minutes du général Valsero. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Voilà. Partagez ce direct. Justine Noumou, l'heure n'est pas la distraction, s'il vous plaît. Si vous avez écouté des choses dans certains directs, allez dans ces directs-là. J'ai pas envie de bloquer quelqu'un ce soir. Donc je n'ai pas envie qu'on revienne ici dans ce qui s'est dit ou ce qui s'est pas dit dans un direct. Nous sommes dans un combat d'idées. On a une combattante qui est partie de Londres pour nous rejoindre ce soir et qui est en pleurs depuis hier. Elle a laissé sa famille, elle est venue pour Valsero hier à une dédicace. Il faut respecter ça. Il faut respecter les gens qui abandonnent leur famille pour ce combat. Donc les malentendus, les on-dits, ça ne nous intéresse pas ici. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour le Cameroun. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Ma sœur Karine Nouma des États-Unis, mon frère Kavacha, partagez ce direct. Si vous voyez qu'on fasse un direct à 7h06 sans préparer, c'est parce que les informations qui nous viennent du Cameroun ne sont pas positives. Alors j'invite, j'exhorte tous les combattants du Cameroun, tous ceux qui pensent encore à l'amour du Cameroun, de s'habiller tous en noir et de rentrer à Yaoundé pour aider la coalition a dit non au régime sanguinaire de Yaoundé. On ne peut pas laisser faire. Voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît.
Bonsoir Pidjal, mon frère Pidjal. Partage ce direct, mets dans tous tes groupes. Toi-même, tu sais. Nous sommes dans un combat. Justine Oumou. Pas d'intrigue dans ce direct. C'est un direct de 20 minutes. Je veux pas d'intrigue. Je voudrais pas d'intrigue, s'il vous plaît. Celui qui vient avec les intrigues, je le bloque. C'est pas de mon habitude, mais je le bloque. Partagez le direct. En attendant que Valsero passe, le colonel Sau va vous dire un mot. Bonjour, 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 bonjour la famille, bonjour, bonjour. Bonjour la grande famille révolutionnaire. Donc voilà, nous sommes venus passer un bout de temps par rapport aux réflexions qui concernent la révolution au niveau du Cameroun. Vous savez que le temps est très grave. Comme l'a dit depuis jeudi dernier, vous le savez très bien, ils ont programmé arrêter la condamnation de notre président. Voilà, du président élu, les coalitions gagnantes. Sans compter les 200 autres personnes qui sont inculpées, toujours dans les mêmes chefs d'accusation. Donc, tout est rouge. Nous avons dit quelque chose de très important. Acceptons, acceptons, projectons-nous, acceptons que la situation a été faite. Hein? Qu'ils le font ou pas, on accepte. Mais vous connaissez l'objectif, c'est pour casser l'élan de la révolution. C'est pour casser la diaspora révolutionnaire. C'est pour casser le moral et le mental de la famille combattante. Donc nous n'avons pas le droit à entrer dans ces jeux-là. Qu'ils condamnent ou ne condamnent pas, la révolution continue son cours avec toute la détermination. Nous avons dit que nous étions aux entraînements. Les vraies choses ont commencé. Maintenant, nous sommes ancrés dans la résistance. Oui, nous sommes dans la résistance à partir du 6. Donc on arrive à Bruxelles, on fait ce qu'on a à faire. Chacun rentre chez lui, serein et focus. On va finir avec ce système. Coup que coup, les gars. Donc, sont prêts, les gars. Merci. Nous ne serons pas qu'au prêt, nous allons agir. Voilà. Si par malheur, je le dis bien encore, si par malheur, le régime sanguinaire de Yaoundé ose condamner notre président élu Maurice Kamto, vous nous trouverez sur notre chemin. Je dis bien si par malheur, parce que l'assaut final à Bruxelles va se transformer en assaut terminal. Je vous le rappelle encore aujourd'hui. Je vous le rappelle, nous ne sommes plus là pour blaguer. La distraction a été terminée, a été continuée. Les invectives ont eu dos, ont eu bon vent. Là, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Alors, je dis bien au peuple de la révolution du Cameroun, levez-vous tous, habillez-vous en noir vendredi matin. Fermez vos boutiques. Montrez à ce régime sanguinaire que le Cameroun a une jeunesse. Le Cameroun a une entité. Vous avez vu aujourd'hui à Yaoundé, les braqueurs avec des policiers au niveau des Douala, au niveau du pont de Bessengué, en train de faire du bullshit. Nous n'allons pas permettre aujourd'hui que ce système... Est-ce qu'on peut baisser l'autre côté? Que ce système qui a carrément zombifié une partie de la population puisse nous zombifier. Bonsoir à toi, Carly Seul. Je sais qu'à un moment, tu étais avec le commissaire Zogo. Quand tu as compris très bien que ce monsieur Zogo était une pute de la nation, tu nous as rejoint. Alors, Carly Seul, j'ai beaucoup de respect pour toi. Le geste que tu as fait, tu nous as soutenu au commissariat. Alors, merci. Carly Seul, merci pour le travail que tu fais. Tu as mis ta voiture à disposition pour les Amazones qui iront à Bruxelles. Alors ça, je respecte. C'est respect. On peut faire des erreurs parce qu'il y a des manipulateurs qui à un moment disent du n'importe quoi. Toi, tu as eu la chance de comprendre et que à Bruxelles, ça va être l'assaut final. Je dis bien à la task force de Bruxelles, d'Allemagne, soyez prêts parce que ce combat va changer d'horizon après le 6. Qu'elle dit après le 6, c'est après le 6. Nous avons la chance aujourd'hui, ce soir, de voir avec nous, d'avoir avec nous la reine, la princesse de la révolution, la queen de la révolution qui est venue de Manchester exprès pour qu'on mette en place des jalons d'une révolution future. Bonsoir à toi, Diane Raissa Fotso. Dommage qu'on ne t'ait pas prévenu parce que ça s'est fait là, les informations, c'est minute par minute. On n'a pas eu le temps de préparer ça. Je vais vous laisser pendant 2 minutes, avec la queen de la révolution, la dame que vous connaissez tous habillée en vert ou jaune, qui est à Washington, à Genève avec nous, qui a toujours tout fait, qui s'est battue pour ce Cameroun, la sœur de notre frère Lapiro, celle qui a toujours fait. Je vous laisse 2 minutes
avec un P qui est là, qui est venu depuis hier, qui a participé à l'hommage au général Valsero, qui a fait pleurer les Européens hier à Paris. Je vous la laisse pendant 2 minutes. Massa. Assez na vo wenao. Assez na vo de. Merci pour les cœurs. Vous êtes chiche. Je vous ai fait quoi? Mettez seulement les cœurs. Je vous ai dit que ma fille t'es qu'avion sur main. Ana yeno ko bise a di main na se na main for cadeau. Parce que dit combat des sauts, il faut que we take décision. On a dit heure sur la heure pour décision. Alors, il y a un voyage yesterday parce que depuis lancer son mouvement, faut Valsero. On a dit qu'on faut French. C'est Amnesty International. C'est vous qui parlez le français. J'ai seulement vu, on a écrit là-bas que Amnesty International, c'était les gens là qui parlaient et tout. Moi, je suis venu parce que Valsero, c'est un artiste. Et avant d'être artiste, il est Camerounais. Et c'est quelqu'un qui a toujours parlé pour la cause des Camerounais. Voilà pourquoi il est puni aujourd'hui. Donc, je suis venu hier donner mon soutien à tout ce monde-là. Dis à ces gens ce que je pense. De cette révolution. Et comme j'ai dit dernièrement, au fur et à mesure que le temps avance, les gens vont commencer à se démasquer. Ça va devenir comme le Halloween. Il y a les gens maintenant qui vont entrer sans masque et il y a des gens qui vont entrer avec le masque. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on se lève parce qu'on se soucie de notre peuple. Aujourd'hui, je suis en France. Je suis arrivé hier. Et je vous promets, je suis là parce que il y a quelque chose en vue. Et il faut des grands hommes, des hommes de tête, des hommes de mémoire, les hommes qui ont la facilité, c'est-à-dire qui ont la force de faire certaines choses. Non, on a des mères de top Francis. Mais c'est en route. Je ne me lève pas pour rien. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que je suis contente parce que malgré tout, je mets la personne qui est Marie-Pascal Namechoa derrière et j'embrasse le combat. J'embrasse le combat. Quel qu'en soit ce qu'on va faire, c'est le temps qui nous dira. Vous qui nous suivez, c'est pour ça que je vous dis toujours, prenez souvent un peu la peine, le temps de regarder les gens que vous suivez. Vous allez voir ce que tel a fait depuis 5 ans. Vous allez voir ce que tel a fait depuis 6 ans. Vous allez voir ce que tel a fait depuis 10 ans. C'est comme ça que vous allez remarquer vos vrais combattants. Et quant à ceux qui disent que vous me connaissez, travail, dodo, travail, dodo. Quand il y a une urgence à Paris comme celle-ci, je ne peux pas vous demander de l'argent. Je paye, je viens. C'est la cause du Cameroun. Mais j'ai la chance d'être en Europe. Parce que même si je n'ai pas travaillé, je paye un billet d'avion. Je veux rentrer travailler et payer l'argent là. C'est l'argent du blanc. Voilà la facilité que j'ai. Parce que je suis intégré. Et aujourd'hui, moi, je viens ici. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. De juger Maurice Kamto le 6. Ce que vous pouviez faire, Massa, mais vous avez aimé, vous supportez l'imam. Vous avez dit que vous avez arrivé pour Ayouk Tabe. C'est-à-dire que dans le Sia Sia, des gens très grands man sont pas condamnation. Des gens très grands sont pas pendant le Sia Sia, condamnation directe. Sans avocat, bien. Oui, il m'a dit, calé, il sait, non, ça va passer, ça va passer. So, today, il sait, ça va passer, ça va passer. Non. Parce que Wibiron n'y est plan, on est déjà au courant de ce qu'ils ont organisé, de ce qu'ils veulent faire à Maurice Kamto, le 6.
et les Ndoki. Hein? Tous ces prisonniers-là qui sont aveugles, Valsero va pourrir là-bas comme ça, là, gratuit. Gratuit. Allez les supporter. Si je peux abandonner tout ce que je fais, je viens pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez les supporter. Allez les supporter le jour du tribunal, je vous en prie. Sortez nombreux. Allez supporter Michel Ndoki, Mamadou Mokhtar. Assi Mbonanga, Assi Mbonambo Kamto Lapi, Lapi Kona, Lapi Koli Kona. Aujourd'hui, on parle pour les prisonniers qui sont à Kondengi et qu'on demande leur libération. Assi Mbonanga, Assi Mbonalo Kamto Lapi, Lapi Kona, Lapi Koli Kola. Je parle aujourd'hui au nom de Madame Ndoki. Assi Mbonanga, Assi Mbona, Michel Ndoki, Lapi Kona, Lapi Koli Kola. Périfrère, je vous en prie, sortez. Annoncez vous n'avez pas cours, vous n'avez pas soir. Mais si vous êtes toujours dans le soir, ça ne va pas aller. Allez supporter. Allez les supporter au tribunal. Parce que nous, là, là où je suis là, je vous ai déjà dit, même si c'est quoi, j'arrête. Et je suis prête. Je suis une femme prête. Et dans toute chose, il faut les gens qui vont se sacrifier de vrai. Les gens doivent se sacrifier de vrai et ne rien attendre en retour. Si aujourd'hui le Cameroun est libéré, vous n'alliez plus jamais voir ma figure. Vous n'alliez plus jamais entendre parler de moi. Mais pour l'instant, j'ai une mission. Et je vais l'accomplir. Et personne ne va me casser. C'est-à-dire que personne, émotionnellement, moralement, ne pourra pas m'atteindre. Personne. Donc les gens qui font les petits trucs pour dire que MP est monté, non. Vous connaissez. Je vous ai montré. Moi, je vis dans une société à Manchester. Et je suis l'une des femmes sur qui on peut compter. Dans Manchester. J'ai une grosse gueule, j'engueule tout le monde. Mais quand il faut faire se tenir, se mettre debout pour la vraie cause, je suis là. Nous ne voulons pas la paix chez nous. On est fatigué. Parce que c'est écœurant qu'il y a un côté des enfants qui partent à l'école et il y a un côté qui ne partent pas à l'école et les gens font comme si c'est normal. Comme si c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne doit pas toujours accepter le normal en disant que ouais, on va faire comment. Je suis désolé. Je suis désolé, ça ne peut pas aller comme ça. Donc, moi, je crois que vous deviez vous mettre ensemble pour cette cause-là. Vous sortez les supporter. Moi, je vous aime beaucoup. Petit bisou. Petit bisou. Gros bisou. Et je vous passe à mon frère Kamwa. Vous avez suivi EMP. Elle est partie de Manchester depuis hier. Elle a abandonné sa famille pour revenir. Donc, je suis en train de le dire, chef frère du Cameroun, cet après-midi, j'ai eu un accrochage avec Malor sur sa page. Parce qu'il était en train de parler de la situation qui se passe au jour actuellement en Afrique du Sud. J'ai répondu directement à Malors. Malors, je vous rappelle, c'est un ami personnel. J'ai répondu directement sur sa page parce qu'il sait qu'il est suivi. J'ai dit à Malors, l'Afrique du Sud, c'est très loin. Parlons du cas du Cameroun. Parce que c'est bien beau de poster sur Facebook
que les Nigérians. Les Nigérians ont brûlé MTN. Les Nigérians ont fait ça. Mais au Cameroun, on a un artiste comme Valsero. On a des personnes saines comme Valsero qui ont dit non au régime sanguinaire de Yaoundé et qui n'ont jamais accepté ces prostituées. Alors, on arrête la distraction. On ne s'indigne pas, mais là, on va parler d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, on s'est tous battus pour l'Afrique du Sud. Mandela est une grosse mascarade parce que malgré tout ce que Mandela a fait en Afrique du Sud, on voit encore aujourd'hui. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Mandela, en Afrique du Sud, les gens se sont toujours indignés. Les Sud-Africains ont toujours chassé les autres Africains noirs. Donc, ce n'est pas un sujet qui date d'aujourd'hui. Ça fait au moins 10 ans que ça se passe. Je vous rappelle, il y a encore 7 ans actuellement où les Sud-Africains se sont indignés et qui ont chassé tous les Africains. Donc, on ne peut pas permettre ça quand nous, ici en France, en Europe, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, on s'indigne de la situation des Noirs en Afrique du Sud, alors qu'au Cameroun, on a des problèmes plus graves que ça. On ne peut plus cautionner ça. Jamais. Arrêtons. Je donne un appel, un vibrant appel aujourd'hui à tous les artistes camerounais. Même ceux qui n'étaient pas dans la liste des gens à boycotter. Mm-hmm. Vous voulez faire votre buzz au Cameroun, mais pensez qu'il y a le général Valsero qui est en prison. Merde. Il a fallu que ce soit les Européens que vous combattez, les Européens que vous combattez, qui fassent des postes pour soutenir le général Valsero. Et vous au Cameroun, vous ne cherchez que votre beurre. Vous voulez chercher que vous voulez chercher des meilleurs, des majors. Donc alors je dis c'est niet. On est là pour la lutte du Cameroun. Si Malors, tu as dit ok, il faut respecter les artistes camerounais, respecte aussi les confrères. Quand on dit respecter les confrères, ce n'est pas le comment s'appelle le gros vent là qui l'a mis de longue longue là. Comment il s'appelle? Djenné Djento ne représente rien. Il a fait un seul album qui n'a jamais marché. Il est resté au Cameroun. Longue longue à la fin, on l'a tapé sur les bras. Donc aujourd'hui, je donne un vibrant appel à tous les artistes camerounais. Vous devez tous être au tribunal vendredi, tous habillés en noir. Tu es d'accord avec moi, colonel So? Voilà, je ne suis pas fou. Hein. Le colonel So partage la même idée que moi. Voilà, même le général Marcel. Il partage la même idée. Tous en noir. Tous en noir pour aller soutenir tous les artistes. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Hein. Tous les artistes doivent soutenir Valsero. Au moins, c'est en prison. Il est en prison, il est embastillé. Avec tous ceux qui ont voulu marcher pour leur liberté, pour leurs droits, et on les a arrêtés, on les a embastillés pour rien. C'est pas normal. Donc, essayez de vous lever, allez au tribunal massivement. Je dis bien massivement. Remplissez les rues. Remplissez les rues de Yaoundé au tribunal pour défendre ces artistes-là. Et surtout les artistes, hein, levez-vous. Qu'est-ce qu'il y a que vous muselez? Quand on arrête le général Valsero pour l'embrigarder et vous ne dites rien, vous ne vous indignez pas. C'est quand même absurde. Levez-vous, les artistes, je fais appel à vous tous. Levez-vous, c'est votre frère. Ça aurait pu être vous. Ça aurait pu être votre fils, votre petit frère, votre papa. Levez-vous, allez tous au tribunal soutenir le commandant Valsero pour le général Valsero pour qu'on ne la... En fait, pour qu'on ne le tue pas une deuxième fois. Ouais, parce qu'on va le condamner parce qu'on va le condamner à mort. Ce sera le tuer une deuxième fois. Donc, n'acceptez pas ça. N'acceptons pas ça. Parce que notre silence nous condamne. Sortons de notre silence. Faisons cet acte de noblesse en le sauvant des mains des sanguinaires. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Le général Marcel a tout dit. Parce que quand on vous parle, vous dites que oui, vous êtes caché en Europe. Vous êtes là, comme Malors m'a dit cet après-midi. Je vous dis sincèrement, pensez au Cameroun, pensez à vous. Si les choses ne sont pas faites dans les conditions, justement, les médias vont tu ramener les Nigérians qui vont vous faire des contrats à 15 millions d'euros au Cameroun et vous, les artistes, on va vous donner 200, 300 000 francs CFA. Nous sommes en train de construire un Cameroun nouveau. Un Cameroun nouveau, c'est un Cameroun sans le système Biya. Parce que le système Biya nous a montré déjà, en 38 ans et demi, qu'on ne peut rien faire au Cameroun. On ne peut plus rien faire. Je donne un vibrant appel aux artistes. Prenez de la graine. Prenez de la graine. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est plus un jeu.
Le gouvernement de Yaoundé est en train de vouloir condamner le général Vassero à vie. Comme Ayouk Tabé. C'est un artiste comme vous. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes à Yaoundé en train de négocier vos contrats. Vous êtes là en train de négocier les agences de publicité. Ce n'est pas normal. On parle d'un Cameroun que nous aimons tous. Tout le monde aime bien Marlos. Moi, si j'aime pas Marlos, lui, il aime Marlos ou elle aime Marlos. Donc, nous sommes pour le Cameroun. Nous sommes tous, nous sommes en nombreuses pour que le Cameroun puisse évoluer. Or, il est hors de question qu'on puisse abandonner un artiste. Un artiste, c'est comme un écrivain. Donc, c'est des lanceurs d'alerte. C'est des précurseurs dans une république, dans une société, et c'est des suiveurs. Les gens s'identifient aux artistes. Alors je vous dis, tous les artistes camerounais qui sont encore à Yaoundé, qui n'ont pas encore compris le bon sens de la démarche de Vassero, levez-vous, rendez-vous tous vendredi 6 au tribunal, habillez-vous en noir, faites ce qu'il y a à faire, faites ce qu'il y a à faire, et sincèrement, le Cameroun va vous dire merci. Parce que vous ne le faites pas pour vous. Vous le faites pour la postérité. Vous le faites pour la postérité. Alors je lance encore ici un vibrant appel à tous les combattants du Cameroun. N'ayez pas peur. On ne vous demande pas d'aller brûler les casernes, d'aller faire ça. Non. De vous rendre massivement au tribunal. D'aller soutenir le professeur Maurice Kamto, son essai Maurice Kamto, d'aller soutenir Maître Ndoki, d'aller soutenir Mamadou Mouta, d'aller soutenir toute cette coalition-là qui s'est levée pour les droits au Cameroun. Donc il est hors de question, il est hors de question aujourd'hui qu'on s'amuse avec ça. Il est hors de question qu'on s'amuse avec ça. Quand vous voyez un MP qui vient de Londres aujourd'hui, qui reste à Paris, qui est en train de discuter, qui n'arrive pas à dormir, qui laisse sa famille, qui vient ça. Quand vous voyez le colonel Sow qui a fait un direct aujourd'hui, qui lui venait du cœur parce qu'il se sentait trahi. Quand vous voyez la générale Marseille, quand vous voyez le capitaine Bosco qui est là, vous vous dites quand même qu'on ne le fait pas pour nous. Parce que dites-vous bien, un MP travaille, elle a toute sa situation, mais on le fait pour nos jeunes frères du Cameroun. Donc je vous demande encore, oui Kevinou, excuse-moi Kevinou, je ne pouvais même pas te prévenir parce que quand MP est arrivé, c'était hier, on était tous au boulot, on a eu tellement de choses à faire. Alors si tu as une minute Kevinou, je te donne une minute, parce que ça fait tellement mal de voir ça. Non, c'était vraiment, ça faisait mal au cœur. Je t'écoute frère. Comment tu vas? Ça va, frère. Ouais. Tranquille. Un atterrisque en direct, hein. Je ne sais pas ce qu'il en est. C'était quoi le sujet? Excuse-moi. Hein. Tu m'entends? Je t'entends très bien. Ouais. Je pense. Parce que je viens d'arriver sur le direct, là. Excuse-moi. Ah, oui, oui. Allô? Je t'écoute, Kevin. Mais il s'agit de quoi alors, ton direct? Excuse-moi, je viens d'arriver sur Je suis en train de dire en fait que vendredi, il y a le président élu, Maurice Kamto, qui va être jugé. Et je pense que sur la toile, on est en train de se déchirer. On ne sait même plus le combat qu'on mène. Exactement. Alors, je suis en train d'exhorter les frères, surtout les frères du Cameroun, que ça va être une journée morte. Ça veut dire qu'une journée morte, on s'habille en noir. Ouais. Ce soir, je suis habillé en jaune. Donc, vendredi, on s'habille en noir. On essaie de faire les choses proprement. S'il doit être conduit au tribunal, ils iront au tribunal, tout habillé en noir. Et la jeunesse doit se rapprocher du tribunal pour du régime sanguinaire. Il y a où que ça ne marche pas. Oui. Le colonel Esso. Oui. Voilà. Et ceux de Paris qui n'iront pas à Bruxelles iront ici à l'ambassade manifester. Le colonel Esso m'a déjà dit tout à l'heure que les ancêtres lui ont parlé. Il y aura une pluie diluvienne à Yaoundé qui n'aura pas de nom. Comme la pluie que j'avais annoncée à Bafoussam quand ils ont voulu faire les trucs. Le colonel Esso m'a dit qu'il y aura une pluie à Yaoundé, pas possible. Donc je dis donc aux frères du Cameroun, oui. Levez-vous, oui. Habillez-vous en noir. En solidarité avec son Excellence, le président lui, Maurice Kamto, avec Maître Ndoki, avec Pende Kouka, avec Mani, avec Mamadou Mouta, avec tous nos frères, nos grands frères, nos Célestin Djamel, et toute cette coalition-là qui a été arrêtée de façon arbitraire pour Eric Kingé, le grand frère de Penda. Je vous rappelle encore, je vais juste, avant de te donner la parole, je vous rappelle encore que Paul Eric Kingé
a été l'un des précurseurs dans cette résistance aussi. Et je rappelle que Paul Eric Kingé ne fait pas partie du MRC. Paul Eric Kingé a été arrêté et qu'il a failli être tué par le gouvernement si le colonel Douala Moussango n'était pas là pour dire on ne peut pas tuer un combattant. Pour la simple raison que toutes les sociétés des bananeraies dans la région du Mungo au Cameroun ne payent jamais d'impôts et les produits toxiques qui sont là pour entretenir les plantations au Cameroun, c'est des produits interdits en France. Mais au Cameroun, on peut encore le faire. Sauf que nos mamans de là-bas ont des enfants trisomiques que Paul Eric King avait vus depuis. Il y avait des études médicinales qui ont été faites. En aux Antilles, on interdit les produits qu'on utilise, que les avions versent dans les plantations, versent dans l'eau, dont l'eau est contaminée, l'air est contaminé et les mamans attrapent des cancers qu'on ne trouve pas en Afrique. Il s'est battu pour ça, les gens l'ont combattu, il a fait 8 ans de prison, il est ressorti, il était maire, on a voulu le tuer. Donc quand on voit ça, on se dit, mais est-ce qu'on peut être Camerounais? Nous sommes en France, comme Malos m'a dit, t'es en France, toi on peut rien faire. Mais oui, on est en France, on peut rien faire, mais on connaît la réalité du Cameroun. Non. C'est ça le problème, on ne peut pas laisser faire, Kevin. Ouais. Le Cameroun, c'est nos racines. Mais vraiment, il faudrait qu'ils puissent savoir sur le monde. C'est nos racines. Ouais. Non, il faudrait vraiment. Bonsoir déjà au colonel Sou. Je n'ai pas sonné tout à l'heure. Je ne savais pas qu'il était appelé toi. Bonsoir. Il est là, le colonel. Il est là. Merci. C'est un colonel. Colonel Sou. Kevin. La voix du peuple camerounais. Oui, bonsoir. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Vraiment, c'est important. C'est la nation, c'est important. C'est le Cameroun d'abord. On ne peut pas baisser la garde. Et les Camerounais doivent être solidaires. Ils doivent avoir sur le monde populaire, vraiment. C'est vraiment très important. Et je demande vraiment aux Camerounais d'être présents lors du jugement de notre président de sortir. Non, parce que ça doit être un deuil national, inadmissible, qu'on vienne juger un civil déjà auprès d'un tribunal militaire, alors qu'il n'a fait que revendiquer ce qu'il a. Voilà, nous sommes tous là. Pourquoi ils veulent juger ce jour-là auprès du tribunal militaire? Les cas sont venus juger. Moins qu'on le juge en public, mais on ne compte pas vous le juger en public. Pourquoi? Pourquoi? Si vous montrez, si vous l'avez de tout et des attentes, pour voir ce qui se passe. Donc voilà. Donc on sait très bien qu'il va être condamné, il va être confronté le vendredi. Vendredi et maintenant il faudrait que tout. Maintenant on va passer par. Alors, comment on va dire, une négociation. Et là, maintenant, tout va se passer par une négociation. Et vraiment, ça serait, on verra ce que ça... Mais il faudrait vraiment que les Camerounais soient solidaires et qu'on puisse tous se lever. Et voilà. Parce que c'est le Cameroun, c'est notre patrie, c'est notre racine. En aucun cas, on doit laisser faire les choses, quoi. Donc, vraiment, colonel Sou, vraiment, je te remercie pour tout. Hein. Tu es la voix du peuple. Donc, pour ça, vraiment, merci pour tout ce combat, pour tous les efforts que tu mets dans ce combat. Et voilà. Ah bon, mon petit, ouais. Déjà, comme on le dit toujours, tu es un exemple de ce qu'on a demandé de rejoindre sur le terrain. Tu es venu, tu as rejoint le combat, tu as porté le combat national. Et toujours, on tend la main comme ça à tout ce peuple conscient. Hein? Ouais. Qui sache qu'il y a toujours de la place sur le terrain et qu'on doit être toujours nombreux sur le terrain. Ouais. Bon, la Panthère, tout à l'heure, était en train de parler d'une situation par rapport à vendredi sur Paris. Ouais. Parce que vendredi à Paris, il y a une délégation qui sera à l'ambassade. D'accord. Donc, dès 13h, pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, on sait qu'il y a les circonstances. Voilà, il y a toutes les circonstances qui empêchent les gens. Voilà, atteignant. Bon, voilà. Donc, ceux-là peuvent se rendre à l'ambassade à partir de 11h ou 13h. Comme ça, ils vont militer là-bas. D'accord. Mmh? On a notre soeur qui était hier avec nous à la conférence d'Amnesty International, Free Vassero. Donc, c'est celle-là qui a pris la parole, l'IP6, là. Donc, c'est elle qui est en train d'organiser cela. D'accord. Voilà. Donc, normalement, aujourd'hui, je devais faire un direct dessus. Augusta Epagna. Oui, cette doyenne combattante. D'accord. Voilà, aujourd'hui, normalement, on devait communiquer dessus, bon, avec les circonstances qui n'ont pas permis. Bon, voilà, vous savez ce qui a été la journée. Ouais. Donc, on invite tous ceux-là qui ne seront pas là, qui ne peuvent pas se déplacer pour Bruxelles, de partir à cette ambassade-là. Parce que c'est aussi démontrer cette puissance-là. Donc, c'est démontrer ce malheur national, donc, bien qu'on est en train d'organiser en ce moment-là, pour qu'ils sachent que nous sommes conscients et debout. Ouais. Et surtout, encore et encore,
surtout encore et encore, que tout le monde se prépare, que le mental chacun soit debout, car rien n'a encore commencé et rien n'est fini tant que ce n'est pas encore fini. Ah oui, voilà. Dans nos cas, quand on baissera la gueule, on merci pour tout. Et voilà, donc j'espère que ça message est passé pour ceux qui n'auront pas le... directement auprès de l'ambassade du Cameroun vendredi. Voilà, c'est très... Très bien. Voilà. Très bien, mon petit. Voilà. Ouais. Ok, merci. Je voulais 2 minutes avec le général Marcel. Mmh. Le temps que j'ai... Bonsoir, Amazon. Bonsoir mon père, bonsoir, ça va? Ça va maman, ça va très bien. Ouais, tu seras à Boutsen, non? Je serai à Boutsen demain soir. On se convole demain soir. Voilà. Je salue tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment. Bonsoir les amours, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là, hein. Merci, parce que vous aussi, vous nous accompagnez et vous devez nous aider aussi à ne pas semer la haine partout, hein, à nous encourager dans ce que nous faisons, dans notre travail, parce que ouais, c'est un combat noble que nous sommes en train de faire. Vous deviez, j'appelle à tous les compatriotes de Facebook, quoi, les Facebookers, de nous aider dans notre travail, dans notre combat. Et arrêter de faire des invectives à tout bout de champ. Mais ils ont beaucoup changé. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Ouais. Mon fils Kevin. Exactement. Non, mais ils ont changé. Kevin, rappelle-toi la garde à vue. Rappelle-toi de la garde à vue. Vous étiez à côté de notre cellule. Kevin, rappelle-toi la garde à vue. Mais la garde à vue, là, quand même, était. C'était quand même quelque chose de bien. Ouais. Parce qu'il faut quand même dire la quelque chose. Et là, il y a Raïssa qui est là. Raïssa, je vais te prendre après. Mais la garde à vue était bien, c'est formateur. Parce que comme j'ai toujours dit, avant la garde à vue, Kevin, ouais, on était dehors ensemble. Ouais. On a dit, on ne vient pas défendre les Amazones en faisant les selfies. Exactement. Tu te rappelles, opération selfie? Ouais. Opération selfie. Les gens qui viennent se coucher, je savais qu'il allait rigoler. La garde à vue là, c'était formateur. Ouais. Parce que s'il y avait certaines personnes qui avaient fait la garde à vue comme toi aujourd'hui, ça devait passer sur TF1. Non. Ça allait passer sur TF1. Oui, j'ai dit la vérité. Oui, Kevin, tu sais de quoi je parle. Mais on a, tu l'as fait, tu es un bonhomme. J'ai dit, la révolution, c'est ça. Ouais. Les anciens passent la main. Et toi, j'ai dit, quand on est sorti à la vue, j'ai dit, l'image de la révolution, ça va être Kevin, ça va être les Raïssa, ça va être ces jeunes combattants qui sont venus, pour ceux qui sont levés pour le Cameroun et qui aujourd'hui disent, je porte le Cameroun sur mes bras. Regardez un jeune de 24 ans. Moi, 24 ans, je travaille déjà, j'avais déjà 2 enfants à 24 ans. Je ne sais pas s'il a déjà 2 enfants, mais il s'est levé pour le pays. Quand on l'a arrêté, il était content. Il a dit, je me sacrifie. Il a dit à son boulot, je n'ai rien à cirer. Je suis là pour le Cameroun. Et ça, ça m'a fait plaisir. Parce que c'est ça la révolution. On le fait avec le cœur. Sans calcul. Je dis bien, sans calcul. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est bien. Comme le colonel So, les ancêtres te parlent. Et là, je veux lui dire, tu t'envoies la malédiction ancestrale pour que tu sois plus fort. La foudre, la bénédiction ancestrale. Je t'envoie la foudre et la bénédiction ancestrale. Oui. Oui, Lydie Kouekam. On reste de bon. Lydie Kouekam. Envoie-moi un message, Lydie Kouekam. Tu vas passer avec après Raïssa. Lydie Kouekam. Parce que c'est ça. Nous sommes là pour un pays. Nous sommes là pas là pour un jeu. Non. On parle quand même d'un pays. Vous voyez une dame quand même, peut regarder. Ouais. Elle n'arrive même pas à manger. Je me suis même, c'est, j'ai même fait, je vous dis, pour respecter ces dames-là, j'ai fait le congrès. Pour avoir, j'ai fait le congrès pour la princesse MP. Je vous montre le plat de congrès que j'ai fait pour MP. Elle n'arrive pas à manger. Elle me dit que je n'ai même pas l'appétit. Je ne peux pas manger quand je sais qu'à la rentrée dans le sud-ouest, il y a les enfants qui ne sont pas là à l'école. Ah ouais. Vous vous rendez compte? Ça fait déjà 3 ans. Ça fait mal au cœur. Ça fait 3 ans que ça dure. C'est ça le problème. Ça fait mal au cœur, Kevin. Ah, et ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. On est dans un pays où les gens sont là, ils viennent faire les directs selfies. On parle du Cameroun, ils ne pensent même pas Cameroun. Je pense que dans cette révolution,
dans cette révolution, les gens ont beaucoup utilisé Maurice Kamto comme un fonds de commerce. Parce que vraiment, il faut arrêter. Le pauvre, il souffre. Le pauvre Maurice Kamto, il souffre. Voilà. Mais les vrais combattants, voilà. comme le colonel Saul le dit, voilà. Les vrais, ils se reconnaissent. Ouais. Et les bras le sait, comme MP dit. Voilà. Comme Marcel dit, les vrais, on le sait. Comme j'ai dit, j'ai commencé cette révolution à 120 kilos. Aujourd'hui, je suis slim fit. J'ai 95 kilos. Ah, ouais. D'autres ont commencé à 68. Ils sont à 150. Ah, ouais. Regardez l'erreur. Mais ça ne m'empêche pas. Exactement. Parce que oui. Beaucoup se disent venir pour Maurice Kamto. Mais ils ont pris Maurice Kamto pour un fonds de commerce. Et vraiment, et j'ai hâte que vraiment. C'est pour vous, Maurice Kamto souffre beaucoup. C'est Maurice Kamto souffre beaucoup. Parce que les gens ne sont pas venus avec leur cœur. Moi, j'ai toujours dit. Kevin, comme je te l'ai dit quand on était en cellule, ouais. Je suis un amoureux de l'amour. Ouais. Je fais tout avec amour. Ouais. Que ça passe ou ça casse, je fais tout avec amour. Aujourd'hui, quand j'écoutais le direct du colonel So, ça m'a fait pleurer. Parce qu'il a dit une chose qui était propre. Exactement. On le fait pour le pays. Mais colonel So, tu vas encore faire, les gens vont dire que vous êtes ensemble. Ce sont mes Amazones. Ah, voilà. Ce sont mes Amazones. Donc, s'ils font ça pour qu'on ne soit pas ensemble, qu'on ne fasse pas de révolution ensemble, ils mentent. Nous sommes là. Voilà une autre Amazone qui vous voilà est présente. La grande Amazone, la c'est une princesse. La prince. Hein? C'est une princesse. La prince. Hein? Bonsoir. Donc, comment alors les Amazones vont être là et que l'ange gardien n'est pas là? Et ça, c'est normal. Hein? Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein? Voilà. Voilà. Donc, on vous dit, là, on parle du Cameroun, là. Il faut quand même qu'on soit un peu sérieux. Ouais, les gens doivent se respecter. Parce que quand on parle du Cameroun, on ne parle pas de Kevin. On ne parle pas de Cameroun, on ne parle pas du colonel So. Colonel So, quand il parle à son cœur. Quand les gens le voient en transe. Aujourd'hui, j'ai vu son direct pendant 10 minutes. Il a enlevé le chapeau, il a enlevé les lunettes, alors qu'il n'avait ni froid, ni chaud. J'ai dit que, mais, c'est comment encore? Parce que dans sa tête, ça chauffe. Ouais, c'est sûr. Mais il faut que les gens comprennent ça, ça chauffe. Installer la... Ça chauffe. Voilà. Les gens ne se rendent pas compte. Installer la haine et la division, ça ne ressemble pas le président élu Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto. Ce n'est pas petit. Tu as tout compris. Et il est en prison. Voilà, il est en prison. Et Valseron en prison. Ah, et Pene Koko en prison. Et Maître Ndoki en prison. Et vendredi, on s'apprête à leur donner une peine de condamnation à mort. Ouais, et on est là, on rigole à Paris. Voilà donc ce que je suis en train de défendre. Je suis contre ça. Voilà les absurdités. C'est ça le problème. Même. C'est ça le problème, Kevin. Et quand tu vois tous les jours, on pleure. Quand tous les jours, on pleure, c'est par rapport à ça. On pleure par rapport à ça. Les gens vont me parler d'Afrique du Sud. Ce qui s'est passé hier en Afrique du Sud, ça s'est passé il y a 7 ans, il y a 8 ans, il y a 9 ans. On va parler du Cameroun. On va rester focus sur le Cameroun. Le plus important dans notre combat, c'est le Cameroun. Nous ne devons pas être dispersés. Parce que la dispersion, ça nous amène à nous perdre de carrefour. Notre carrefour aujourd'hui, c'est le seul et unique but, c'est le Cameroun. Et on a un challenge vendredi. J'invite encore tous mes frères du Cameroun, tous les artistes. Malors savait qui a discuté cet après-midi sur la page Facebook. Je t'invite, toi, Malors, qui disait oui, consommons Camerounais, à motiver les Camerounais, les artistes camerounais, aller soutenir le professeur, son excellence Maurice Kamto, aller soutenir, voilà. Et là derrière, on va te supporter. Et là derrière, on vous supporte. Et c'est ça la réalité. La réalité, elle est ça. Elle est là, la réalité. Ok, merci Kevin. Je vais prendre Raïssa. Je pense que Raïssa avait quelque chose à dire. Il y a aussi Lydie Kwekam qui est là, qui voulait dire quelque chose. Je vais prendre. On va être au fond. Ah, ne t'inquiète pas, Justine, non, non. Donc, toi, tu restes focus sur le combat. Tu dis un mot de travers. Ce soir, je n'ai vraiment pas, je n'ai vraiment pas le temps à jouer. Tu dis un mot de travers, je te bloque. Je vais prendre Raïssa. Mais qui a prouvé qu'on pouvait compter sur elle. Mais colonel So, tu as beaucoup d'Amazon qui te réclament. Hein? C'est bon. Ton direct là fait mouche. Apparemment, ça fait mouche. Ah bon? Les gens demandent si tu es célibataire. Ah bon? Entouré de près de 200 millions d'Amazon. Raïssa, je t'envoie la demande. Essaie de prendre, sinon je vais prendre quelqu'un d'autre, Raïssa. Lydie Kwekam. C'est une Amazon de Belgique. Elle est ici à Paris. Elle est en Belgique. Mais elle est aussi, elle est très souvent aussi à Paris, Lydie Kwekam. Elle est bien.
Oui. C'est Lydie Kwekam, c'est une Amazon. Non, je l'ai déjà rencontré physiquement. Lydie Kwekam, c'est une Amazon sûre, propre. Lydie Kwekam, envoie-moi un message. Je vais te prendre. Lydie Kwekam, envoie-moi un message. Il y a MP qui veut te prendre. Qui veut discuter avec toi, Lydie. Oui, Mavenapte, ma personne, Mavenapte. Mon maillot jaune, c'est Mavenapte. Dans ces résistants-là, j'ai affiché Mavenapte, c'est mon maillot jaune. Personne ne saura qui est Mavenapte. Lydie, envoie-moi un message, Lydie, je t'apprends, je te prends. Allô? Raïssa, je n'arrive pas à te prendre. Essaye de me renvoyer un message. Je vais prendre Lydie Kwekam en attendant. Ah, tiens. Il y a un coup à manquer là. Je vais prendre. Voilà. Là, c'est un combattant de Londres qui est quand même très, très charismatique et qui n'a aucune position. Voilà. Oui. En tant que Londonien, je n'ai pas été seul à faire un peu. Un peu. Ça va très bien, combattant. L'Amazon. L'Amazon, à Lyon. C'est comment vous êtes où comme ça? Vous êtes où? Je suis venu hier par rapport à la. Et la médecine nationale a organisé un peu, courage, artiste, MP, tu sais que tu as mon soutien. Tu es une Amazon et indéfectible. Et tu es quelqu'un sur qui la résistance peut compter. Merci. Donc, indéfectible. Je vous donne, vous avez tout mon courage là-bas. Et que les choses se passent dans l'optique de notre vision. Un Cameroun uni, un Cameroun debout et un Cameroun où on respecte les droits de l'homme. Oui. Donc, courage à vous, Camo la Panthère et tout le monde là-bas. Vous avez mon soutien indéfectible. Merci, papa. Vous avez mon soutien. Rendez-vous à Bruxelles. Rendez-vous à Bruxelles. Oui, jusqu'à le feu sort, ma combattante. Salut-moi tout le monde là-bas. Salut-moi tout le monde. Embrasse tout le monde. Et je vous embrasse. Nous aussi, on t'aime beaucoup. La patrie ou la mort. On vit. Bonsoir. Salut, maman. Yes. Bisous, bye-bye. Bisous, papa. Donc, tous les amis. Le son là, mais ça. Oui, c'est bien. Vous avez entendu que le Cameroun. C'est bon là. C'est bon le son. Est-ce qu'on est marié en tout? C'est bon. La panthère, mais ça. Mais normalement, il y a du son. Il y a le son là. Parce qu'il y a du son. Il y a du son. Merci. Donc, qu'est-ce qu'il était en train de dire, puisqu'il n'y avait pas de son tout à l'heure? Voilà. Donc, des mains déjà n'ont pas installé le QG. Avec la Queen's, Namatua, qui est venue depuis Londres. Donc, des mains. De Manchester. Voilà. Avec votre général Marcel, avec l'icône des Amazones, Maman Georgette. Voilà. Avec Maman Fadil. Donc, on installe le QG là-bas pour déjà galvaniser les troupes. Pour qu'ils se rassurent, les filles. Oui, qui se rassurent que le terrain,
le terrain. Oui, oui. Pour que vous vous rassurez que le terrain sera tranquille. Donc les appartements sont là. On a pris 2 appartements rien que pour les Amazones. Bon, les combattants aussi peuvent venir. Il n'y a pas de souci. Mais ils vont dormir sur le sol. Oui. Les Amazones dorment sur les lits. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de que l'ange gardien ne va pas dire que on va d'abord favoriser nos dames. Voilà. Voilà. Donc, comme on l'a redit tout à l'heure aussi, c'est que pour ceux qui ne vont pas pouvoir voyager le vendredi, on a la combattante Epania qui l'a. Epania. Voilà, on a une combattante là qui organise aussi un soutien à l'ambassade le vendredi, en soutien à ce jour-là, à tous les combattants du Cameroun. Augusta, tous ceux qui sont. Augusta. Augusta Epania. Oui, cette combattante-là. Donc, c'est elle qui a. Voilà, elle a organisé ça depuis hier. Nous avons en parlé. Donc, ceux qui ne seront pas là, préparez-vous déjà. Parce qu'il faut qu'on prenne le terrain de partout. Oui, oui, de partout. Ne vous plaignez pas. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous pouvez faire les actions où vous êtes. Vous pouvez faire les actions, parce que c'est pas tout le monde le sait. Mais on a besoin de la foule là-bas, pour ceux qui pourront venir. Voilà. Donc, mes chers combattants, je vous repasse la panthère. Voilà, pour comme ça. Voilà, c'est ça. Ouais, comme je disais, l'heure est grave au Cameroun. Surtout, moi, je parle là. Je parle aux résistants du Cameroun. Je parle aux résistants du Cameroun. Je parle aux artistes du Cameroun. Je parle beaucoup plus à Malors. Malors, sur qui j'ai. On a eu un entretien vie. On dit comment encore en français hein? Virulent. Un entretien d'homme sur sa part tout à l'heure, aux environs de 17, entre 16h et 18h. Je dis, Malors, même si tu n'as pas été sur la liste de boycott des artistes, tu devrais, voilà, tu vas rentrer dans la résistance. Quand on est un lanceur d'alerte, quand on est un artiste pour la révolution, quand on est quelqu'un qui veut le changement au Cameroun, on est obligé de parler à ses compatriotes. Il est inadmissible aujourd'hui qu'on y a le commandant, le colonel, le capitaine, le général Valsero en prison et que vous êtes là, vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels. C'est niette. Et je lance aussi un vibrant appel à Mr. Léo, à Salatiel, à tous ces artistes-là, à mes frères, à Loco. Comment s'appelle la petite sœur de Boya là? Comment s'appelle encore là? Daphné! Daphné qui est ma petite sœur de Boya. Daphné que j'ai vue quand elle partait, quand elle était encore au collège. Il était là. Je lance un vibrant appel à toutes ces personnes-là. Parce que le Cameroun, ce n'est pas un Cameroun de Bamileke, ce n'est pas un Cameroun d'anglophone, ce n'est pas un Cameroun de Boulou. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est au Cameroun qu'on a grandi. Moi, je partais de Limbé. Je m'arrêtais à Maïfo. Je prenais le bus à Moutengue à 200 francs pour aller à Boya. Jouer au basket et rentrer. Quand on rentrait, on allait à Maïstou. On buvait, on mangeait de poisson. On était frères. Il est hors de question qu'en 2019, cette fraternité-là s'arrête. Nous sommes frères à vie. On est quelque chose qui nous lie sur le Cameroun. C'est tout. Donc, il est hors de question que j'entends aujourd'hui qu'il y a des artistes qui sont là et les artistes qui ne cherchent qu'à faire leur beurre. Je lance un vibrant appel à Stanley No. Et je le dis aujourd'hui. Stanley No, le premier voyage de Stanley No en Europe a été initié, a été fait par Kamo Lapanté que vous voyez. C'est moi, Kamo, qui ai invité Stanley No en France en 2014. C'est quoi? Le 3 janvier, c'était quoi Fabrice? C'était le 3 mai. Le 3 mai 2014, le premier voyage européen de Stanley No, ça a été initié par Kamo Lapanté avec ce jeune homme que vous voyez là, Capitaine Bosco. On l'a fait, l'association des anciens de Bafoussam. Si Stanley No est là, vous pouvez demander à Didier Kouamou, qui était son manager à l'époque, c'est Kamo Lapanté qui a donné le premier visa. De Stanley No, c'est Kamo Lapanté, avec ce jeune homme, avec quelqu'un d'autre qui n'est pas là, on l'appelle Patrick Likumba, qui est sur Facebook, Patrick Likumba, nous étions trois, avec Hugues Zinke, qui a géré la logistique, c'est nous qui avons donné le premier visa de sortie, le premier voyage européen de Stanley No a été fait par Kamo, Capitaine Bosco, vous voyez, Patrick Likumba, et... Non, je veux les expliquer. Non, voilà, c'est ça que je peux expliquer. Voilà, MP va vous expliquer tout à l'heure. Donc, il faut bien que les choses soient claires. Vous pouvez demander à Didier Kouamou, qui est directeur d'une radio à Douala, le premier voyage de Stanley No a été initié par Kamo Lapanté
avec Capitaine Bosco, avec Patty Likumba, avec Hugo Zinke, l'ancien footballeur international, avec Rambo, comment on l'appelle, Rambo Kouetje. C'est nous qui l'avons fait. Parce qu'il faut dire la vérité aux gens. On ne peut pas vous aider. Quand on dit, oui, vous êtes parti en Europe, vous ne faites rien pour le Cameroun, on vous dit quand même arrêtez. Stan Leno n'était jamais sorti d'Europe. C'est nous qui l'avons fait. Alors je dis, Stan Leno, ce soir, ton silence est traître. Je ne peux pas accepter que moi qui t'ai fait venir, qui t'ai même fait voyager aux États-Unis, vous voyez Valsero aujourd'hui qui est en prison, vous dites, vous ne faites rien, vous ne prenez pas position. Alors je dis non, non et non. Vous devez prendre position au Cameroun. Le Cameroun qui est là, la petite sœur Daphné. Moi, quand je partais du Cameroun, Daphné était en CM2. Daphné était au CM2. Daphné, que vous entendez aujourd'hui, qui chante, qui fait les chartes aux États-Unis, en Europe. Daphné, quand je partais du Cameroun, était en CM2. C'est ma petite sœur de Boya. Elle a l'âge de ma nièce qui est là. Donc, arrêtez le cinéma. Vous devez aider vos frères, vos confrères, artistes. Il est hors de question que c'est des artistes togolais, sud-africains, américains qui supportent aujourd'hui Valsero. Mais on vit dans quel monde? À chaque fois quand on parle, on ne comprend pas. On se dit, on tombe, on marche sur la tête au Cameroun. Je le dis de façon officielle, solennelle. Vous pouvez demander à Patou et Bongué. Vous pouvez demander à Patou et Bongué de Trace TV à Douala. C'est moi qui ai tout fait pour que Stan Leno vienne. Premier voyage de Stan Leno, c'était en mai 2014. C'est qu'à moi, avec ce jeune homme, c'est nous qui avons invité Stan Leno en France. À la sueur de notre travail, parce qu'on voulait que le Cameroun émerge. Oui, c'est nous qui avons fait. Il y avait Stan Leno ou Malox. On a choisi Stan Leno parce qu'il venait de Bafoussam. Oui, il avait chanté Un Père. On l'a fait venir avec Didier Kouamou qui était son manager à l'époque. Voilà donc aujourd'hui, donnez l'ascenseur à Valsero, au général Valsero. Valsero qui a été boycotté dans toutes les chaînes télé et radio du Cameroun, mais qui a pris parti depuis des années. Vous vous rendez compte de l'hérésie? Alors qu'il se bat pour les droits communs de tout le monde. Il se bat pour vous. Regardez l'hérésie. Longue est sorti, il a dit oui, c'est Kamto qui a gagné. Bankui et ses éléments l'ont tabassé. Je veux les expliquer. Je vous dis, un peu, explique-leur. Alors. Ça m'énerve, ça. Non, attends. Là, je reviens parce que hier à la réunion avec Amnesty International, c'était pour la cause de Valsero. Alors, moi, je n'ai jamais parlé de cette façon. Mais je vous jure, vous, les artistes camerounais, même vous qui êtes en France, même vous qui êtes en Europe, vous qui êtes à la diaspora, vous ne faites pas quelque chose pour Valsero. Hier, j'ai été souillé. J'ai eu la honte hier. Quand c'est les blancs qui font les vidéos et ils m'ont posé la question de savoir pourquoi est-ce que les artistes ne se mettent pas ensemble pour la cause de Valsero. Moi, je leur ai dit carrément, ceux qui sont à la diaspora en France, aux États-Unis, ils ont peur de parler, de se lever pour la cause de Valsero et ils n'iront plus jamais au pays. Ils ont peur de ça. Et vous qui êtes au pays, qui lutte pour tout le monde, Valsero est dedans. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Hier, moi, j'ai vu, c'est les blancs qui pleurent pour Valsero. C'est les blancs qui sont là pour chercher. Ce sont eux qui veulent trouver des solutions pour Valsero. Alors qu'en trouvant les solutions, si vous vous mettez debout, vous allez les accompagner dans la procédure. Vous êtes des grands artistes. Parce que vous êtes déjà arrivés. C'est le peuple camerounais qui vous met en haut.
Vous êtes où, les locaux? Locaux, tu es où? Daphné, vous faites quoi? Charlotte Dipanda, tu es où? Les Grâces Deka, vous êtes où? Avant que cet enfant-là meure dedans. Il n'a rien fait de mauvais. Valserou n'a rien fait de mauvais. Vous êtes conscient. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le créneau. Et vos enfants auront le même créneau. Je suis désolé. Je suis désolé. Pourquoi vous punissez Valserou? Vous, les artistes qui êtes à la diaspora, pourquoi vous ne faites rien? Hier, j'étais sidéré. Dans la salle, il y avait les artistes togolais. Il y avait beaucoup d'artistes gabonais. Il y avait beaucoup d'artistes sénégalais. Il y avait deux de la Côte d'Ivoire. Il y a les Camerounais. Égoïste. Les Camerounais, vous êtes maudits. Ils sont voilà pourquoi l'artiste camerounais, il meurt dans zéro. Voilà pourquoi l'artiste camerounais, il meurt comme un chien. Vous allez continuer à mourir comme des chiens. Ils sont lâches. Je vous le dis. Je vous le dis aujourd'hui. Vous les artistes camerounais, vous allez continuer à mourir comme des chiens. Parce que vous n'êtes pas conscient. On prend votre frère, on met dedans. Parce qu'il n'a rien fait. Vous restez, vous êtes tranquille. Vous cherchez les gombos. Cette fois-ci, je prends la décision. Et je vous dis d'une haute voix, à partir de ce jour, nous sommes le cadre. Je veux m'assurer que tous vos conseils à la diaspora seront boycottés. Je répète, vous tous, même les grands artistes là, je veux m'assurer qu'une délégation tombe dans votre concert. Si je me suis battu à chercher à retrouver Paul Biya dans un hôtel en Europe, ce n'est pas vous qui allez me dépasser. Pour la cause de Valserou, Manu Dibangoé, là, il ne dit rien. Même le vieux papa là, qui pouvait se lever et encourager les autres, vous ne dites rien. Vous êtes arrivé. Les sœurs Fantôme, vous faites quoi? L'état André-Marie, vous faites quoi? Caresse Fosso, vous faites quoi? Charlotte Dipanda, vous faites quoi? Les malades. Vous êtes des malades. Vous croyez que vous êtes arrivé? C'est le peuple camerounais qui vous a levé. C'est le peuple camerounais qui vous a levé. Et ce même peuple camerounais, ce même peuple camerounais, au nom de tous nos ancêtres, vont vous descendre avec ce que vous faites à Valserou. Vous croyez que vous êtes arrivé? Vous n'êtes pas arrivé. Mais Salassien, vous chantez, vous croyez que si le peuple camerounais n'est pas derrière vous, vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. J'ai vu mon petit de Yaoundé, mon petit qui a chanté le Ya, le Dan, le Yamon, le Njang, le Fian. Celui qui a Yaoundé, il a payé un billet d'avion pour aller enterrer DJ Arafat à la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Mais Valserou est en prison. Teno est parti enterrer DJ Arafat. Salopard. Vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Et vous seriez toujours maudits. Et je vous le dis toujours parce que je ne suis pas dans votre monde. Parce que vous êtes pourris. Vous n'arrivez même pas à soutenir les vôtres. Et c'est comme ça que vous allez mourir comme des chiens. Vous allez mourir comme des chiens. Parce que ce gouvernement n'a pas votre temps. Ce gouvernement ne se soucie pas de vous. Tout ce qu'on vous donne, c'est les miettes. Et vous vous contentez de ça. Votre frère en prison, ça ne vous dit rien. Les Blancs me posent la question de savoir pourquoi est-ce que les artistes camerounais ne se réunissent pas pour la cause de Valserou. Pourquoi? Douleur, tu es où? Douleur, pourquoi vous vous cachez? Les Jackie King, vous êtes où?
Mes amis, vous êtes où? Vous aviez peur qu'on va vous refuser le visa pour aller au Cameroun. Ya! Ya! La honte de ça! Ça ne doit pas marcher. Le prince Eyango. Prince Eyango, moi qui t'a dansé jusqu'à tomber à terre. Voici moi la fille qui t'a dansé. Quand je te dansais, je tombais à terre. Quand tu chantais, j'étais encore une petite fille. Quand j'ai dit petite fille, ça veut dire que on ne m'avait pas encore. Je n'avais même pas connu ce qu'on dit que l'homme. Non, c'est bon. Donc justement, je suis en train de dire, quand MP est en train de parler, effectivement, elle parle, personne elle a raison. Ne vient encore en Europe. Voilà, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Je dis personne. Envoyez les cœurs. Tous les artistes là, restez au Cameroun. Et même vous les artistes qui sont ici à la France, je vous jure, je veux m'arranger que vous qui êtes en Europe, quand vous faites des concerts, nous on va atterrir. Zéro concert pour vous. Même si c'est Charlotte Dipanda. Je veux m'arranger pour qu'on foute la merde. Pour qu'on foute la merde. Ils ont vu à Rennes, hein, le piment dans la salle. Pour qu'on foute la merde là-bas dedans. On a boycotté Fally au Canada, ils ont vu. Hein. Vous allez voir. Voilà. C'est le début. Moi, je vous dis ça parce que je suis décidé. J'en ai jusqu'ici. Un peuple ne peut pas vous lever. Et un homme du peuple est dedans. Vous ne dites rien. Vous comptez sur quoi? Même les artistes qui font semblant de nous soutenir dans le bar là, on ne veut plus ça. Ou vous soutenez votre ami artiste, ou vous ne le faites pas. Si vous voulez le soutenir, soutenez-le ouvertement. Que le gouvernement sache que vous soutenez votre frère artiste. Je suis désolé de votre comportement. Et vous n'auriez rien. Après, vous allez chanter, on va vous donner 500 000. Vous allez mourir comme des chiens. Après, on va vous ramasser sur la route à Ankouloulou pour commander l'argent, pour qu'on vous envoie à l'hôpital, n'importe quoi. Voilà jusqu'à quel niveau vous êtes maudit. C'est ça. Moi, je dis, et ça ne s'arrête pas là, même les hommes de médias du Cameroun, vous allez faire de moi ce que vous voulez. Je ne suis personne. Mais vous-même, vous ne vous levez pas pour la bonne cause. Même vous, vous allez entrer dedans. Parce que c'est comme ça. Il fait mis en offre ni en volant. Parce qu'arrêtez me pour ma périphère. En amassoumou, on a nos ni en vos Europe. C'est moi qui vous dis. Maintenant là, je mets les pieds à terre. Vous n'allez plus franchir. Vous n'allez plus entrer à la diaspora. Je veux m'arranger que ça se passe. Même si tu es qui au Cameroun et que tu es dans ce système là, tu ne viens plus. C'est fini. C'est fini. Ce que vous faites à Valsero, là, moi je ne suis personne. Donc si c'est moi, c'est-à-dire que c'est fini. Un grand Manu Dibango comme ça, un grand Manu Dibango avec les relations qu'il a, un enfant comme ça, il meurt dedans, alors qu'il n'a rien fait. Manu Dibango ne dit rien. Tala André Marie ne dit rien. Les 100 fantômes sont là. Les Takam, ou bien les Marot Chamba, vous êtes où? Les Koti François, vous êtes où? Marot Chamba. Vous êtes où? Marot Chamba, tu comptes, tu crois que les gens là, ils vont te faire quoi? Vous les filles là qui chantez bien, vous n'aviez pas besoin de ça. Alors parlez même de votre frère. Il n'y a personne qui vous cloue de parler en Europe. Vous n'arrivez pas à parler, vous allez voir. Je vous jure, chacun de vous qui a un concert, moi je vous dis, et pour vous prouver, j'ai dit, hein, même si c'est votre Charlotte Dipandala qui n'a pas parlé pour Valsero, qui ne parle pas pour mes prisonniers là, vous allez voir. Parce que Valsero c'est un prisonnier, mais avant d'être prisonnier, il est artiste. Il est artiste. Il est camerounais. Les Roméo dit que vous êtes seulement à Yaoundé. Et quand je parle même ça, je ne cite pas seulement eux. Moi, j'ai mes frères qui sont des artistes onkamois. Même mes frères artistes onkamois ne parlent pas pour Valseros. Même vous, les artistes onkamois, je veux vous faire que ça dure. Moi, je veux vous faire que ça dure. Et quand je le dis là, le comité va prendre ça en charge. Parce que si d'autres ne disent rien, vous ne dites rien. Vous croyez qu'on va vous excuser? On va vous faire ça grave.
Quelqu'un ne peut pas être en prison. Vous faites comme si de rien n'était. Donc, demain, vous, qui va se lever pour votre cause? Je suis désolé de votre comportement. Je suis vraiment désolé. Vous êtes là, vous jouez à la grande vie. Vous croyez que la vie s'arrête là? Non. Merci. Et nous, on est dehors. Si je pouvais dire que Roméo dit qu'à lui-même, on ne l'entend pas. Je pouvais encore demander que, ouais, Chantal a ici, ma soeur, toi que je connais personnellement, Chantal a ici, toi que je connais personnellement, ma chérie, les séjours polo, Valsero est dedans, écrivez même un mot. Séjour polo, écris même un mot pour soutenir l'enfant là, pour soutenir ton frère. Viviane Etienne, c'est moi qui parle là. C'est moi la femme qui t'a invité à Manchester. Venez chanter. Je dis que écris même un mot pour Valseros. Chanteur Aïssi, c'est moi la femme qui t'a invité à chanter en Angleterre. Écris un mot pour ton frère artiste. Pourquoi vous faites ça? C'est les Aïrois qui viennent lutter pour la cause de Valseros. Ouais. C'est les Sénégalais qui viennent lutter pour la cause de Valseros. Les Togolais. C'est les Togolais qui étaient dans la salle. J'ai pleuré comme un enfant hier. Ouais. J'ai pleuré comme une gamine de 10 ans. Et vous allez vous dormir sous vos lauriers. Vous êtes tranquille. Je vous jure que cette fois-ci-là, vous allez que payer l'âme. Parce que je veux m'assurer. Je vous dis, déjà comme preuve, je dis que même si c'est le conseil même si c'est qui, moi je vous dis, Charlot Dipanda, qui a un peuple, qui a des influences, qui a tout, même fait un mot que vraiment il ne faut pas qu'on condamne Valseros, elle n'a pas fait. Rien. Charlot Dipanda, nous on va sortir sur toi, hein. Et Sergio Polo, c'est fini pour vous, hein. Vous tous là, c'est Bollet, c'est moi qui vous dis. Regardez-moi là, c'est moi qui vous dis. C'est-à-dire que si je peux prendre l'avion, aller chercher à mourir à l'hôtel Continental, à cause du Cameroun, c'est pas vous qui allez me dépasser. Je veux le faire pour vous. Si vous êtes sage, voilà Valsero, on va le condamner à mort. On va condamner Valsero à mort, pourquoi? Parce qu'il a dit que l'origine des causes n'en est pas nommée. La malédiction, c'est pour vous. Voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Okay. Et vous, le peuple, c'est vous qui jugez. Il faut quand même dire la vérité, c'est quand même très cruel. C'est quand même insensé. Quand j'entends ça, je vous rappelle que MP, d'abord, à la base, c'est aussi une artiste qui se bat pour le Cameroun, qui a été à toutes les marches. Elle était à Washington. Elle s'est habillée avec son cabas vert ou jaune. Elle était à Genève. Elle était à Paris. Tout le monde l'a vu. Mais je vous dis, sincèrement, c'est honteux pour le Cameroun. On ne peut pas aujourd'hui se mettre à défendre le Cameroun et on voit que c'est des artistes étrangers, des Gabonais, des Togolais, des Ivoiriens qui défendent un artiste comme Valsero. Non, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. On vit dans quel monde là aujourd'hui? Je vous dis, sur la place parisienne, il y a un seul artiste, Junior Senga. Là, il faut quand même que je tienne à le rappeler. Il y a un seul artiste sur la place parisienne, c'est Junior Senga, le panafricaniste qui a toujours défendu Valsero. C'est Junior Senga, le seul, avec l'animateur Didier, comment on l'appelle, Air One Force. C'est les seuls qui ont défendu les artistes camerounais. Les autres sont où? Papillon est où? Epe et Koum, vous êtes où? Parce qu'ils sont pas Douala. On va dire Valsero et peut-être Bamileke. Non, il n'est pas Bamileke, Valsero. Valsero est de la même tribu que le président Biya. Il n'y a que Junior Senga. Je précise, Junior Senga, le panafricaniste. C'est le seul qui s'est mouillé pour défendre Valsero. Et le DJ, l'animateur, le journaliste et One Force, ils ont défendu. Je vous rappelle encore... Je suis en direct. Évitez de m'appeler. Je suis en direct. S'il vous plaît, évitez de m'appeler. Je vous rappelle encore que Erwan Force, le jour du boycott du roi Bangoulap dans le 78, Erwan Force devait être l'animateur de la soirée. Dès qu'il a vu la ferve, l'engouement qu'on avait pour l'amour du Cameroun, il a dit « Je reste avec vous ». Donc, et comprenez bien, je vous dis, je répète encore, comme le professeur Niamsi disait,
Erwan Force était le DJ, le manager, l'impresario de la soirée du roi Bangoula dans le 78. Quand il est arrivé, il a vu l'engouement qu'on avait. Il a dit, mon frère, j'ai pris conscience, le Cameroun va mal. Je ne peux pas venir animer quand mes frères souffrent au Cameroun. C'est le seul DJ dans la région parisienne qui a dit non à ça. Non, c'est l'un des seuls. Ça vous fait pas pleurer? Là, c'est les artistes étrangers qui sont en train de se battre pour Valsero. Vous n'avez pas honte? Aujourd'hui, on va me parler d'Afrique du Sud. On va me parler du Kenya. Non, on parle du Cameroun. La réalité, c'est le Cameroun aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vendredi 6, le gouvernement de Sanguinet de Yaoundé s'apprête à condamner Valsero à mort. Qu'est-ce que vous faites? Malos, qu'est-ce que tu fais? Stanley No, toi qu'on a porté sur nos épaules, toi que le capitaine Bosco t'a porté sur tes épaules, ah non, c'était où encore? Au Moulin Bassé. Qu'est-ce que tu fais pour le Cameroun? Et c'est ça la réalité. Junior Senga, je te dis merci pour le travail que tu fais. Ton nom, tu le mérites, tu es un panafricaniste, mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi la valeur ajoutée que nos artistes camerounais en Occident font? Il y a un gros problème dans la diaspora. Vous avez écouté MP Namchoa depuis 20 minutes. Ça ne vous fait pas pleurer? Ça ne vous fait pas prendre conscience? Le 6 septembre, il y a un procès historique. Alors j'ai dit encore mes frères du Cameroun. J'exhorte encore Malors, parce que Malors s'est suivi dans la diaspora. J'étais encore à Miami l'audio. J'ai même forcé qu'on mette la musique de Malors dans une boîte américaine. Mais je te dis à toi, Malors, t'es un lanceur d'alerte. Aligne-toi et les autres vont suivre au Cameroun. Parce qu'on ne peut pas laisser mourir la culture pour des intérêts partisans. Parce que le gouvernement de Mia va partir, Malors va rester. Malors va rester. Vassero va rester. Junior Senga va rester. C'est ça la réalité. Les artistes reste. Les sons passent, les artistes restent. Quand aujourd'hui on écoute Bob Marley qui est mort il y a plus d'une 20 ans, ça reste. Quand aujourd'hui Mongo Betty est mort, mais le bouquin de Mongo Betty reste. Quand Cheikh Anta Diop est décédé, les écrits de Cheikh Anta Diop restent. Les artistes ne meurent pas. Mettez-vous dans la peau des artistes, revendiquez votre droit d'artiste. Et là, on va vous suivre. Et là, on dira effectivement que c'est inconcevable qu'on puisse prendre des artistes nigériens à payer à 300 000 millions de francs CFA alors qu'on a nos frères au Cameroun qui sont là, qu'on paye à 200 000 francs. Et c'est ça qu'on vous demande. C'est ça. Tous au tribunal militaire. Oui, Mouna Junior. Oui, tous au tribunal militaire vendredi. Et j'ai dit, tous habillés en noir. Et c'est ça la réalité. Il faut au moins pour une fois que les Camerounais soient en osmose. En osmose, les artistes. Charlotte Dipanda. Oui, dis donc. Nandé. Andy Nandé. Sergio Polo. Nandé. Qu'est-ce que Vassero vous a fait? Les Jackie Kingé. Dynastie le Tigre. Oui, mon petit frère. Après, les gens vont se précipiter pour aller au funérail de Didier Arafat. Nandé. Je vous dis, le seul artiste camerounais, Junior Senga, le panafricaniste, c'est l'homme qui a bravé tout. Et Junior Senga, je te dis, chapeau. Chapeau à toi, Junior Senga, pour le travail que tu as bas pour la diaspora. Pour le diaspora, le travail que tu as bas pour tes confrères. Le travail que tu as bas pour le général Vassero. Le Cameroun te le revaudra. Et nous allons te le valoir. Parce que nous sommes ici dans la diaspora. Nous allons t'aider à profaner le régime sanguinaire de Yaoundé. Nous allons t'élever. Parce que là, tu rentres dans l'histoire, Junior Senga. Et Erwan Force, tu rentres dans l'histoire. Voilà une artiste comme vous. Voilà une artiste comme vous qui vous parle. Est-ce qu'on a besoin d'étrangers pour élever nos artistes? C'est Jo Polo, tu es où? Newa. Vous êtes où?
Tout le monde au tribunal militaire vendredi. Si le professeur Maurice Kamto est condamné, vous allez voir le nouveau visa de la diaspora. Je l'ai dit il y a quelques mois, la nouvelle génération des Bamiléké, ce n'est pas les Bamiléké qu'on disait que vous êtes Mose, vous êtes laïcs, ils partaient, on giflait, on laissait. MP, c'est terminé. Oui, c'est la nouvelle génération des Bamiléké a changé de nom. La nouvelle génération des Bamiléké, c'est Kamwa. C'est au capitaine Bosco. Je vous dis, c'est eux là. Donc, je vous préviens, vous, artistes camerounais, réveillez-vous. Comme les témoins de Jéhovah disaient, réveillez-vous. Awake. Valsero, c'est vendredi. Valsero, je te jure, ne doit pas prendre une condamnation à vie. Oui. Merde. Je dis que hier, mais quelle honte! Au nom de quel diable? Je dis que hier, les blancs ont des. Quelle honte! Vous n'avez pas honte? Mais comment ça se fait que les artistes ne sont pas. Ça fait mal, Marcel. Ça fait très mal. Il dit que les gens de l'amnésie. Ça fait mal. Vous voyez, ce n'est pas que les artistes. Regardez comment le Cameroun est dans le chaos. Le Cameroun est dans le chaos total. Je te jure. Et les artistes sont muselés aussi. Le concert maintenant. C'est fait exprès ou quoi? Les artistes font exprès de ne pas défendre Valsero. Vous faites exprès? Imaginez-vous une seule seconde que c'est votre petit frère, votre grand frère, votre fils. Tous. Vous ne faites rien pour le défendre. On boycotte. Comment ça peut être possible dans un Cameroun comme celui-là? Nous sommes au moins 30 000 Camerounais. 25 millions de Camerounais. Hein? Et il n'y a pas un seul qui lève le petit doigt. Personne. Il n'y a que Junior Senga sur combien d'artistes. Sur combien d'artistes camerounais? Il n'y a que Junior Senga comme artiste au Cameroun? Le seul? Vous n'avez pas honte? Ça veut dire que vous n'avez pas de couilles? Vous, les artistes camerounais, vous n'avez pas de couilles? Vous êtes mais franchement, vous êtes. Non, on va les montrer. Hein? Parce que c'est comme ça quand je me revolte. C'est pas possible. Et je prends les décisions, c'est comme ça que ça va suivre. Hein? Vous êtes des lâches. Vous êtes des poltrons. Faites même une plancarte. Vous êtes lâches. Vous êtes des poltrons. Vous ne pouvez pas défendre Valsero qui va être condamné. Non, ça fait combien de temps qu'il est embastillé? Je ne suis pas d'accord. Aucun artiste ne se lève pour défendre sa cause. Aucun artiste. Aucun artiste ne se lève pour s'indigner pour Valsero. Parce qu'il s'est battu pour votre victoire, pour votre liberté, pour votre liberté de penser. Il s'est battu pour cela, pour vos enfants. C'est de ça qu'il s'agit, pour vos petits-enfants. Il s'est battu pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour votre avenir. Et en ce moment, il est embastillé et il va être condamné à mort. Oui. Et vous ne dites rien, ça ne vous fait rien. Vous vous couchez sur votre lit et vous dormez tranquillement. Moi, je ne dors pas. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas à cause de cette injustice. Il ne mérite pas ça. Toi, tu ne mérites pas ça. Posez-vous des questions. Est-ce que vous méritez ce traitement-là? Le Cameroun ne mérite pas ce traitement-là. Les Camerounais ne méritent pas qu'on les traite comme des sauvages. Nous ne sommes pas des sauvages. Hein? Nous sommes des êtres humains. Hein? Nous sommes des êtres humains. Il n'y a que Junior Senga parmi tous les artistes camerounais qui existent au Cameroun qui a eu le culot de se lever pour dire non, stop au scandale. Vous ne vous indignez pas, vous dormez tranquille, vous mangez tranquillement, vous buvez tranquillement, vous ronflez. Pendant ce temps, nos frères, nos pères, nos mères, nos sœurs sont embastillés. On va condamner comme ça Valsero. Vous n'allez rien dire. Vous n'allez pas vous indigner.
C'est comme ça, quand on a arrêté le professeur Maurice Kamto, personne ne s'est indigné. Vous deviez sortir de vos maisons. Laissez Maurice Kamto, artiste, mais hein? Mettez au moins pour la cause de vos... Laissez Maurice Kamto, parce que vous dites qu'il est politicien. Oui. Mais luttez pour Vansero, qui est votre fils, qui est votre frère, qui est votre petit frère. Luttez pour Vansero. Sortez massivement vendredi. Nous appelons tous les artistes du Cameroun ainsi que les artistes de l'Europe, de la diaspora, de toute la diaspora. Convergez vers les ambassades du Cameroun quand vous êtes en diaspora. Si vous êtes au Cameroun, allez au tribunal militaire le vendredi. Tribunal militaire, c'est là que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Vous êtes des sans-cœur, vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de compassion pour Valsero. Vous n'avez pas de compassion pour ces génies-là. Comment est-ce que vous pouvez rester muselé à ce point? Au nom de quel diable il mérite ce traitement-là? Il mérite d'être condamné à mort. Au nom de quel diable? Vous pouvez stopper ça. La volonté doit venir de vous, de nous. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que Valsero chante pour soutenir, il n'a pas chanté pour soutenir l'opposition. Valsero a tout simplement exprimé sa colère dans ses chansons. Il a tout simplement touché du doigt ce qui ne va pas au Cameroun. Il a tout simplement dit à haute voix ce que vous pensez tout bas, ce que vous n'avez pas la force de dire. C'est ce qu'il a dit dans ses chansons. Ce que vous n'arrivez pas à dire à haute voix, c'est ce qu'il a dit dans ses chansons. C'est ce qu'il dit dans ses chansons. Comment est-ce que vous pouvez rester tranquille et ne rien faire? Il a dit à haute voix ce que vous n'osez pas dire. Il a chanté à haute voix. C'est que vous n'arrivez pas à prononcer, les mots que vous n'arrivez pas à prononcer parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur. Vous êtes des lâches. Refusez d'être des lâches. Hein? Biabim Vondo vous a muselé, vous a rendu, c'est-à-dire vous a enlevé le cerveau. Secouez-vous. Dites que non, c'est fini, c'est terminé. Dites non, Biabim Vondo, ce n'est pas un dieu. Biabim Vondo, ce n'est pas un dieu. Biabim Vondo, Barthélémy, ce n'est pas un dieu. C'est un être humain comme vous et moi. C'est pour cette raison que je n'ai pas peur de parler. C'est pour cette raison que Valsero n'a pas eu de peur de parler. C'est pour cette raison qu'il a chanté dans ses chansons les mots que vous n'osez pas dire à haute voix. C'est ce qui s'est passé. La liberté d'expression n'existe pas au Cameroun, mais nous devons nous lever pour défendre cette liberté d'expression. C'est de ça qu'il est question. Si nous avons la volonté, nous allons y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Général, on va y arriver. Mais on va y arriver. Est-ce qu'on a un problème par rapport à ça? On va y arriver. On va y arriver parce que nous sommes déterminés. On a très bien compris le système qui se passe. Mais je vous dis, ceux qui nous suivent, suivez-nous. Ceux qui ne veulent pas nous suivre, restez en retrait, restez à Paris, allez manifester. Parce que là, si vendredi, ils essaient de nous faire la mascarade qui s'est passée avec Ayoub Tarbé, c'est mort. La riposte sera de taille. S'ils essayent, la riposte sera de taille. Nous, de toute façon, nous ne nous amusons pas. Hein. On fait ce qu'on dit. Hein. On fait ce qu'on dit. La riposte, s'ils osent condamner quiconque vendredi, la riposte sera de taille. Et ne dites